les routines et les séquences prennent beaucoup de place pour les personnes qui ont de la rigidité comportementale. J'ai eu une crise autistique pour une raison qui est peut-être un petit peu absurde. Il y avait un gros trou devant mon terrain parce qu'il y avait des réparations pour les égouts et le drain. Et là, il y a un des messieurs qui est venu cogner à ma porte et qui m'a dit que je ne devais pas utiliser l'eau. Que si je l'utilisais, il allait recevoir le contenu de mes égouts pendant qu'il réparait, qu'il allait le prendre et le mettre dans ma verrière. Bon. Je me suis demandé si c'était de l'humour, il souriait pas, c'était pas évident, mais c'est pas ça le point. Le point est que c'est des séquences. Si je mange, je me lave les mains. Si je vais aux toilettes, je me lave les mains et je dois tirer la chasse d'eau. Alors, quand il a fallu que j'aille aux toilettes, j'ai tenu mon bras droit tout le long. Et lorsque je devais m'essuyer, j'ai appuyé mon bras comme ça pour prendre l'autre. Et là, je tenais mon bras et ça faisait de plus en plus mal. Et là, à la fin, j'étais tellement chargée de toutes les actions inachevées, de pas pouvoir me laver les mains, de pas pouvoir laver mon fruit, de pas manger ma pomme après mon repas comme d'habitude, tout ça. J'étais tellement pleine que je pouvais plus retourner travailler. J'étais installée à table, puis je tenais mon bras comme ça pour que mon bras fasse pas les actions. C'était épouvantable. Tellement que pendant le temps que je mangeais, il y a trois fois où est-ce que, ça je sais pas vraiment l'expliquer, je sais pas exactement c'est quoi, mais c'est comme si on sort du corps et c'est hyper inconfortable d'être dedans, je sais pas comment expliquer, mais on revient puis c'est comme, et là, ça fait ça trois fois, ça me fait jamais ça plein de fois comme ça, et c'était horrible, 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 parce que les séquences étaient brisées, les séquences.